Eh bien, salut à tous, c'est Fixi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vidéo tuto, petite vidéo tuto qui fait plaisir. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire agrandir et rétrécir les icônes de votre ordinateur. C'est parti. C'est parti pour la manipulation. Alors là on est sur le PC, vous allez faire clic droit avec votre souris, tac, et là vous allez aller dans affichage. Là vous pouvez apercevoir un petit bouton noir en face de icône moyenne. C'est ce qui est actuellement ce que vous voyez à l'écran. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire grande icône. On clique dessus. Tac. Et là, tout devient géant. C'est juste énorme. On dirait un peu comme la tablette où vraiment, c'est vraiment super stylé. Et là, pour mettre en petit, vous faites petite icône. Tac. Voilà. Tout simplement, c'est juste trop bien. Voilà. Ensuite, on peut faire réorganisation automatique des icônes. J'ai jamais fait et j'ai je vais pas tester parce que c'est pas le truc, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, maintenant vous savez comment faire pour avoir une grande icône, icône moyenne ou petite icône. C'est vraiment super simple, je remontre. Clic droit, affichage, et là on peut choisir la taille des icônes. Voilà, tout simplement. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à mettre plein de commentaires ainsi qu'à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace. Back from the dead.